Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est pour nous très important de parler de l'utilité, de l'apport de tout un chacun pendant que le Congo est en train de chercher de s'émerger. Voilà pourquoi au cours de cette émission d'aujourd'hui, Léo, au-delà de la musique, au-delà du sport, les voix et les opinions, bien sûr, de guides, des leaders d'opinion est très important. Parce qu'aujourd'hui, le Congo se veut être émergent demain. Aujourd'hui, on va recevoir un petit pays. C'est lui qui a pu donner son savoir-faire pendant un moment en Europe. Et après, il avait pensé mettre sur place à Kinshasa, République démocratique du Congo, une organisation au nom de G24. G24 qui n'est plus à présenter chez les Quinois, même dans les provinces et d'à côté. Et lui, c'est Jean-Marie Lukuba. Si on se retrouve aujourd'hui sur Paris, il est important pour nous de l'interroger, de parler avec lui. Dénando Lubake, Lélo, Congo, comme on a besoin et apport, il y a mon ami, c'est Congo et Sika Azali. Nous sommes là, Congo, les deux en a besoin, qui moins un Congo, ça a des places à Zali, il faut aller. Ah, mais ma peau, il y a eu que ça. Et les autres, beaucoup d'un agent, Marie-Nicolas, c'est de lundi, il y a une place à Yamoussa. Le lingua qui Toyoka. Allo, bah, la mouma, bah, qui nous est belé, au moment de l'image, au balanda et partout à Zali. Bah, la besoin, au Yokapé, Maloubané. Pour moi, je suis maman Mouille. Je suis ex-élève de maman Mouille. Il fit mon DD. Ça s'appelle Liberté et Discipline, maman Mouille. Et de vigile. Et de côté. Ce qui s'est passé, dans ma classe, elle a dit que nous sommes tous très sensibles dans ma jeune. Ma jeune bande, il y a rentabilité et salarité. Alors, Michel a souligné Jean-Marie. A dit Jean-Marie, nous comprenons que nous perdons un instinct. Qu'est-ce que tu peux me faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Au gros ça la queue, ou à faire avancer Magdalena Yuan, ou faire en sorte que Lilo Tokomana na moins rentabilité et Zala, pour toujours le bénéfice. Alors Jean-Marie a réfléchi ça qui, alors qui voilà. Qu'est-ce que je vais faire? À l'époque, le vigile, même aujourd'hui, le vigile c'était Batou Oye Batelemi, Batou Kosimi Cravate, Azota là, il surveille. On a lui. Il y a une idéologie, une idée, une invention, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui invente. A inventé, je vais faire un équipier vigile. C'est-à-dire. Comment tu définis ça? C'est-à-dire, au lieu de venir intervenir à chaque fois qu'il y a un problème, toi-même, tu reçois les problèmes. Il y a du problème. Donc c'est toi qui viens aux gens à la caisse. Donc caisse mon gozawana uniquement pour Yamba, Barakai. Batoyo, Batoyo, Batoyo. Ok. Batiki, Batiki, Mpandi, Yoye. Barakai, Batoyo, Nabi. Nabi, Batoyo, automatiquement Nabi. On lui a traité, on a équipé, on a employé Yamba. Jean-Marie a eu le coup de gilet. D'accord. D'ailleurs que, c'est vrai qu'au départ, il faisait juste la sécurité. Mais quand il venait comme ça, parce qu'il avait l'habitude de contrôler, hein, mais. Quand il est arrivé et qu'il trouvait pas des restaurants qui étaient en galère, pour répéter cette expression-là, ben, il avait l'habitude de nous demander d'aller ôter vos vestes, donc on était des vestes, on donnait des coups de main, on débarrassait les plateaux. Ok. Ça. Mm-hmm. C'est parti de là. Et au fur et à mesure, il a réfléchi, il a eu une idée qu'il nous a proposée en se disant, et si demain nous apprenons le métier qu'il faut pour que nous soyons en mesure de pallier le problème d'absentéisme. C'est passé par une fois. Donc, au départ, avec un partenariat du premier restaurant, je dirais le nom, le premier restaurant avec lequel nous avons travaillé, il a signé comme ça un partenariat pour arriver à créer une forme de centre de formation dans ce restaurant-là. D'accord. Le centre de formation pour lequel nous avons tous passé la formation. Hein. Je ne suis pas les seuls. Ça doit. Parce qu'il faut voir aussi que nous avons toujours dirigé vers la communauté. Tout ça, on a fait un centre où ils ont mené les Yébani. Toujours dirigé Batambo Kao. Nous sommes toujours formés Bango, Toba Koma, Toba Koma. Pour
cas personnel, dans le monde, je suis formé partout. Je pense que à ça une idée on a il a réinstallé et le mobo na qui na mboka na biso d'origine na source a installé le corona et bajem. Bon, malheureusement et ça là il y avait de obstacles bébé. On sait s'il y a des ba jalousie zalaki. Ba ba mususu bazalaki ba hypocrite bazalaki. Les lots et ça veut dire que ils allaient marcher, mais je pense qu'il y a le barbet tout le temps. Il faut accompagner les deux, mais il y a que les deux bâchènes G24 et Koufati. G24 les amis, mais les gens ils croient que G24 est Koufi et là l'ICA et là donc les lots avec Roger où ils allaient pour ils allaient envisager comme ma restauration, mais ma restauration rapide. Kinshasa na mboka, donc nazali ma capacité à former moutou à banda tant que simple équipier à mata tia comme directeur. Le savoir-faire, l'expertise, nous avons. D'accord. Ce n'est plus à démontrer, on a été capable de le faire ici. Mais le faire au Congo, il n'y a rien qui nous empêche de le faire. C'est-à-dire que et Jean-Marie, qui évidemment qui est à la tête de cette entreprise, a eu cette idée formidable d'aller aussi en fait, développer sur ce contexte que nous avons fait ici sur la place. Vous savez, aujourd'hui, quand on regarde le pays, on se rend compte que ce n'est pas l'expertise qui nous manque. On a des gens, des jeunes qui finissent à l'université, qui ont fait des études. C'est vrai que tous attendent un petit peu que le pays soit là pour trouver du travail. Si ce n'est pas l'expertise qui manque, c'est une question d'homme. Oui, c'est une question d'homme, ça je sais pas, mais toujours est-il que la besoin dans ce pays-là, qui est comme ça l'esprit d'entrepreneuriat. D'accord. Voilà, l'esprit d'entrepreneuriat, peut-être qu'il fait défaut, avoir des projets, tout des projets. Ok. On ne peut pas tous, c'est vrai que dans un pays, on ne peut pas tous faire de la politique, il en faut. On ne peut pas tous forcément être médecin, il en faut. Non, on peut c'est pas fou. Être tous experts. Ou footballeur ou ministre. On ne peut pas tous être gestion. Il n'y a pas qu'être gestionnaire d'entreprise ou expert. Ou ingénieur ou... J'en suis un, moi-même. Mais on a besoin, dans plusieurs domaines, d'avoir une expertise. Et là, en l'occurrence, on parle de la restauration rapide, l'expertise de la vente. Aujourd'hui, l'idée, c'est de voir comment arriver à transporter ce que nous avons su faire ici. Le faire sur place au travail. D'accord. Jean-Marie, il y a pensé aujourd'hui. Le projet est là. L'idée, c'est de serrer non seulement de ramener de la restauration rapide, parce qu'en réalité, existe déjà, mais l'idée de ramener la restauration rapide, mais derrière surtout de création d'emplois. Nous sommes dans un pays où nous produisons de la farine. J'en sais quelque chose parce que j'ai un très proche qui a travaillé dans une entreprise qui a produit et fabriqué de la farine sur place. Le savoir-faire, faire le pain Kinshasa, vous allez dans n'importe quel coin de rue, vous voyez du pain. On fait du pain au Kinshasa. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de la France comme un pays qui consomme du pain, mais nous, je pense que nous sommes parmi l'un des pays qui consomme le plus aussi du pain. Et nous savons le faire. Vous parlez de la viande. Nous avons des abattoirs dans ce pays. Nous savons faire de l'élevage dans ce pays. Vous avez n'importe quel village. Les gens savent. Mais l'élevage, on parle aujourd'hui de l'agriculture en France, de l'élevage. Mais nous savons le faire, non ? Nous savons le faire dans notre pays. Vous parliez des oignons. Attendez, on a des terres. Donc aujourd'hui, tout ce qui est ingrédient ne pose pas un problème parce que nous savons le faire. Et nous disposons des ressources naturelles au pays pour y faire. Attendez, permettez-moi. J'étais à Kinshasa. J'ai été déjeuner dans un restaurant. Alors, Ngombe, si j'ai bonne mémoire, sur le boulevard. Je suis arrivé sur place donc pendant qu'on parle. C'est un très beau restaurant d'ailleurs, hein, faut le souligner. Le restaurant Gombe, si je me souviens, boulevard du 30 juin. Faut le souligner, un très beau restaurant, de très bonne qualité d'ailleurs, un très bon niveau de service. Et quand j'ai discuté avec le responsable de service en salle, j'ai dit, mais comment vous faites pour obtenir tout ça? Ils nous ont dit que le fromage était fabriqué sur place, à Goma par exemple.
la viande, il y avait une bonne boucherie juste à côté. Alors, a priori, ce serait la boucherie de Maman Olive. J'ai pas eu de précision. Mais une très bonne boucherie. J'ai regardé la qualité de la viande. Mais une très, très bonne qualité. C'est-à-dire que nous savons faire. On a l'expertise. Et sur place, les gens savent faire. Nous disposons des ressources. Donc là, n'est pas le problème. Donc, l'expertise, nous l'avons. Les ressources sur place, nous les avons. Après, les moyens, je vous disais, Jean-Marie, en tant qu'individu était moyen, les projets nous les avons. Après, le financement, ma foi, c'est une histoire d'opportunité, c'est une histoire de rencontre, des personnes à qui on prête le projet, qui croient à ces projets et qui acceptent d'avancer ensemble. Encore une fois, je parlais du partenariat, après ce sera à nous de convaincre. Le partenariat, c'est tout à fait évident. C'est une personne exceptionnelle, avec des grandes idées, des idées qu'il faut vraiment, vraiment mettre en pratique pour la réussite de tout le monde. C'est une personne qui aime aider. Aligné qu'au sali sabato, même à Namboko, Namboko tout seul, en France. Donc, à ça, mon tour, à ça, sali sabato, à ça, sali sabato, Namboka, Mingi. Alors, comment on a, surtout sillonné un peu partout, la domaine où tout ça, Namboka en particulier, au monde entier, Jean-Marie a propulsé Batebélé. Donc, les deux, on gagne à sa directeur, mais après, dans la mission, ça va directeur, bah, ça l'est plus là, Jean-Marie. Donc, tu vois que Jean-Marie, c'est une personne, Oyo. On a voulu rendre témoignage d'ailleurs les yeux fermés. Que voilà, c'est vraiment une bonne personne. On a connu de Sabajon, simplement que la vie, autre au monde dans le lot, n'a pas eu après le but de l'éparaté. Donc, nous avons tout le monde qui a été mis en place parce que nous avons été jeunes, nous avons déjà pour se prendre déjà soit dans l'air étant que jeune. Grâce à Batou Natangé Lakio, Jean-Marie et mon grand frère propre, Marie-Claude. Qui lui aussi encadre les jeunes. Bien, bien, voilà, voilà. Donc il y a encadré la bagaille de l'eau. Et puis, on a la patience. En tant que jeune, vous avez la patience. Il y a un moment où on a touché le but, l'objectif, le souci. Vous avez un mot. Nous avons dit, ah, si on a fait le monde, on est patienté. Il y a des bouches oreilles, des bébés, pour peut-être ça la marque et que nous peut-être n'a pas côté nous pour encore lui Oyebi. C'est mon petit frère Oyebi, donc il ne sait pas. Et dans les lotés, tant que nous avons voulu, c'est-à-dire, dans le cadre de la jeune bébé, pour les lots, n'a pas fait ça, pour les gens n'ont pas fait ça. Tous les lots, tu as toujours contact ma vie. Les hauts, les bas, on est toujours ensemble. La vie, c'est ça qu'il faut se prendre soin de soi-même. Au là, qui ça, va tout peindre là. Les hauts, là, on peut savoir, bah, j'aime. Exemple, moi, on a un exemple. On a un exemple, il y a la gêne. Bah, ça va tourner, là. Bah, il y a beaucoup. Donc, il y a beaucoup en fou, moi. Bah, il y a beaucoup en fou, moi. Parce que, qu'on se voit jamais. Pour la G24, et ça, il y a un lobby pour se retrouver. Jeunesse congolais, jeunesse congolais, il faut se retrouver dans le milieu de l'Union. Dans le milieu de l'Union, je sais que avant que je me sois bien, avant que je me sois bien, je me suis été l'exemple. Et ça, c'est financièrement, on est mis, mais avant la parole, le message, il y a bien, on peut se prendre la jeune, le lot, mis à part, dans le chap, le gouvernement congolais, il y a des obstacles qui sont en train de aider, il y a des gens qui sont en train de alors ça, il y a bien. Ce qui est en train de se faire, c'est que la confiance n'a Jean-Marie. C'est la confiance n'a Jean-Marie de Koulassi. Parce que il y a une idée nouvelle. Donc, il y a une idée qui est en train de se faire. C'est la confiance n'a pas Jean-Marie. Savoir faire naïe parce que nous avons salué un beaucoup naïe du savoir faire naïe ba idée naïe donc ceux qui bas salier confiance bah au monde et l'autre malam mais ce sera un petit plus donc pour accompagner le projet donc du début jusqu'à la fin. J'ai dit à titre personnel un grand merci à Jean-Marie de Koulassi parce que c'est si je suis là où je suis aujourd'hui, je parle sur le plan professionnel, c'est grâce à lui. C'est vrai qu'il a vraiment cru en moi quand je suis arrivé. Et il m'a donné cette opportunité-là, encore une fois, je parle d'opportunité. Il y avait les moyens,
Il y avait aussi les projets que je voulais. Il m'a donné l'opportunité. Et c'est un peu grâce à lui que je suis au poste où je suis aujourd'hui. Et je sais qu'avec lui, il y a encore d'autres projets ensemble que nous allons faire. En tout cas, un grand merci à Jean-Marie, qui est un homme qui a beaucoup de cœur, mais un homme qui a des projets, qui a des idées. Et j'espère qu'il continuera à aller de l'avant. Sur ce compte, bonsoir. Bonsoir Popol. Boni. Ça va, Zamba Osala. Qui m'écoute mon Makassi, hein? Tout le monde a eu moi qui m'y a. Silence et les rêves dans mon Makassi. Par rapport à l'activité H24, par rapport à Yomuro Penam. Ok, ceux qui m'écoute, c'est-à-dire que je suis raisonné. A raisonné pour Aïbelo Nossa pour la lobby. C'était beaucoup plus. J'ai tant mis à réflexion pour voir qu'est-ce que je peux faire pour notre pays. Donc, il y a un autre qui tente vraiment à. Il y a Repo Mingi, mais de temps en temps, on a eu un nous avons membre G24. Thérèse est à la terrain. Thérèse est à la Bambo, le président. Na Bataba Congo, partout G24, Thérèse est à la terrain. Moi, je suis là. Mais là, maintenant, et c'est on est dans mon lieu. On va parler de début, pour Batiné Toubaïbi, et Kinshasa, toujours encadreur de jeunes. Quand vous avez eu mon jeune, tu encadres tes jeunes, même tes propres amis. Vous avez directeur de discipline à l'Institut Maman Moulou. Comment tu parvenais à encadrer même ma propre amie? Non, vous savez, ça dépend aussi à Koto Fanda. Moi, je suis à Kaouka. C'est-à-dire, tant que je suis à Kaouka, issu à quartier mouvementé, quartier Babin, c'est pas voyou. Depuis que j'étais enfant, je me disais, il faut un méga Kaouka pour encadrer. Et tant que j'ai eu la chance de travailler dans l'enseignement, qui m'anguisse, j'ai la chance par le préfet Ingangé à confier la gestion et la discipline à Bana. Et alors, vu que je et qu'il y a beaucoup plus à gérer l'indiscipline à Batou. Okay. C'est-à-dire la gestion de l'indiscipline à Batou. Dans la manière dont on est indiscipliné, pas comme discipliné. Nous avons fait ça. Mais nous ne sommes pas comme indiscipliné pour nous. Il y a un G24 pour. Et le moment nous allons pour nous éduquer avec quelque chose de bien. On va revenir sur G24 après. Maman Moui, c'était Paris. Paris, l'histoire avec McDonald's. L'histoire où est-ce qu'il y a après, Maman Moui, c'était Mobiloy. Mobiloy, voilà. Mobiloy, voilà. J'ai eu à travailler dans Mobiloy avec Martin Fayoulou, que j'ai dit bonjour en passant. Mobiloy. Après Mobiloy, il y a Poto. Et Poto, j'ai eu la chance de travailler chez McDonald's. Ça fait aujourd'hui, bizarrement, ça fait 20 ans que je suis chez McDonald's. Et mes 20 ans, tu as l'occasion d'être avec moi là. Ça, c'est, ouais. C'est mes 20 ans chez McDonald's. 20 ans. 20 ans chez McDonald's. Il s'est passé beaucoup de choses chez ouais. McDonald's. Vous voyez, au petit terrain, beaucoup pratiquement impossible à saisir. Mais tu as pu quand même saisir le terrain et qu'on bénéficie de la confiance. Il y a Bakondi à McDonald's. On en a le preuve parce que tu as eu quand même à déplacer certaines autorités. Il y a McDonald's qui était en montée à Kinshasa. Mais expliquez-moi ça. Thérèse qui m'a demandé de trouver à Kinshasa. Bah, j'ai un amabouma, mais tout ça, la débanine et tout ça. Comment tu as. Non, moi j'ai eu la chance d'être encadré par d'abord mon ancien patron Jean-Jacques Iloa, Wakoufa, Zambazalesi Kazali. Donc, on a commencé dans McDo Mouya, le plus compliqué de la France, McDo Saint-Claude. Il y avait tellement de bandits. On a commis dans McDonald's Wana. On était des vigiles, ma gardien, Sinzili. Bon, le roi, moi, je suis dans ma classe, madame, en étant sur place, on a développé un système Yamoussala, sécurité. Avec mon équipe, il y avait Pichu et Tchele, Dixon Mubimba, Alain Tseka. Il y avait beaucoup hein, de gens qu'on était ensemble. On a développé l'idée de non, puisque Royara a été pour tout ça la sécurité. On a été quand même à l'école, on a développé le système il y a. Comme ça, là, Katia McDo, c'est-à-dire, tout comment former ma cuisinier, tout comment former ma caissier, tout comment former ma équipier en général. Et parce que tout le monde, à un niveau McDonald's, l'absence des équipes, c'est-à-dire, nous avons, j'ai eu l'idée de créer une sorte de société intérim. D'accord. Et ils ont accompagné sécurité Nanga. D'accord. Et ça, c'est un carton. Donc, comme la France, et le moins nous, et Salamate, tant qu'on a eu l'idée, c'est-à-dire, tout comment déborder, d'un niveau qui est obligé à Jean-Marie Bamouni McDo. Jean-Marie Bamouni McDonald, tu as aidé avec l'équipe, j'avais une équipe très très forte. Hein. J'avais Dixon à mes côtés, Mubimba, Pichu Echele, Alain Tseka, Doé, c'est-à-dire j'avais une équipe, Emile Koulassi, tous ces gens-là, ils étaient avec moi, Papi Makola, c'est-à-dire on a su créer un truc et ils ont McDo. C'est-à-dire,
avoir des intérimaires chez McDonald's, c'est-à-dire caisse, cuisine, propriétaire McDonald's, tout ça. Et en même temps, tu combien de niveau, tu commences à la, la terre même, technique à McDonald's, QSP, c'est-à-dire qualité, service, la propriétaire McDonald's, c'est-à-dire on avait une équipe, tout ce qui va tout présenter, on occupait qualité, service et l'année à McDonald's. Et puis, en même temps, j'ai demandé aux franchisés d'envoyer mes gars en formation. Et dans mon équipe, on a commencé à avoir des équipiers, des formateurs, des swings, des managers, des premiers assistants. Et j'ai nagé avec toute cette équipe-là. C'est-à-dire, bandan équipier, tina manager, dans une équipe. Alors, tout comme même, on était débordés. Bon, on a monté un planning, un téléphone pour avoir une demande de l'équipe. Voilà, c'est le Ranzam. Le Ranzam, on est venu autour de l'Obamé. Aujourd'hui, aujourd'hui, on bénéficie de l'eau dans confiance. Voilà. Mais ce qui est étonné, en fait, tu parvenais à maîtriser jeune. Voilà. Et là, toujours mon examen, cassé, pas non. Voilà. Comment Jean-Marie Lecouvreur se parvient-il à maîtriser la jeunesse? Pourquoi on a l'oubli de la jeunesse? Parce que au-delà de Awa, même à Kinshasa, tu as eu à maîtriser. C'est-à-dire, c'est-à-dire le vrai problème, c'était quoi? C'est-à-dire, tant au sein de Magdokwastin, c'est un quartier. Il y a ma baie, voyou, un niveau, il y a qui ça pour s'implémenter, anière, banine. Mais on a la technique, la biseau, et encadrement, la bango, c'est-à-dire, dans un fréquent, beaucoup de bango, parler avec eux, et j'avais des stratégies que j'appliquais pour maîtriser, j'ai non dans le quartier, dans la Sarcelle, dans la Ressure, dans Stein, dans la Anière, ici, quand vous allez, dans le quartier, vous réussissez à quitter dans le côté, vous avez un bon peu de ça. Ça fait McDonald's, ça fait 17 ans. On a maîtrisé la jeune quartier. C'est-à-dire, on a commencé à ça y est. Donc, on a maîtrisé ça ici en Europe. Maîtriser la sécurité en France. C'est-à-dire, on a maîtrisé la sécurité en France. Ouais. Pour vous comprendre, niveau encadrement, il y a des jeunes arabes, algériens, des jeunes arabes, des encadrés, des jeunes maliens, pour vous comprendre le niveau. Il y a des Mali, des encadrés, des jeunes surtout. Mais je suis certain aujourd'hui, dans le format, ce qui est important dans les Congolais, c'est-à-dire que les Congolais, dans la formation, tout format, c'est moi, Maïeli, on va se prendre pour Maïeli, moi, Maïeli, tout format, c'est un bima, dans cette équipe, 80% de bateaux, c'est un bima, c'est un bima. On a commencé à fierté nanga, c'est des Congolais. Et c'est et les Congolais la biso bizarrement na Congolais ngam. Bizarrement nous le vit par ta formation. Ningo tangi la classe. Non mais bon ça c'est quoi les ablons dans les Kabouana. Oui parce que moi j'ai fait dans ça qui na université j'ai et na primaire et secondaire dans ça qui biochimie. L'université là au ça la économie et finance. Mais en étant chez McDonald's, nous avons plusieurs formations et management. C'est-à-dire, quand tu es chez McDonald's, à chaque fois, tous les 2 ans, tous les 3 ans, moi j'ai fait 20 ans chez McDo. Hein. C'est-à-dire, à chaque fois, vous allez dans des formations, heureusement, McDonald's a homologué, diplôme de formation. Tu sais, il y a des gens, au côté de McDonald's, a diplômé l'État, aujourd'hui, ils ont licencié. Bac plus 2, parce qu'il y a des formations. C'est-à-dire, 20 ans chez McDonald's, tu as plusieurs formations chez McDonald's. Et partant de là, et développement, la G24. Jean-Marie, au salut au mieux, au salut Awa, même de loin, avant que G24 ait existé, tu portais toujours main forte la culture congolaise. Ça, personne ne peut avoir un amour. Tu étais ici, tu as soutenu les artistes et musiciens du Congo, on ne va pas citer les noms, Batini Ntouba Yebi. Apparemment, Sissi Mouge Zaginayo, tu as eu ce que tu as eu ici, sans l'aide du gouvernement, sans l'aide de gens ici sur place. Tu t'es décidé de descendre à Kinshasa pour que nous là G24. C'était une folie, les gens se disaient, mais Moutou est où? Non, bon, on n'est pas si. Ton entourage, bien sûr, se disait, mais Jean-Marie, moi, on n'est pas si. À Kinshasa qui sont là-bas. Mais il est fou, lui. C'était quoi cette folie, en fait? Au fait, c'est pas une folie. C'est-à-dire, pour moi, j'avais dit le jour que j'aurais même un dollar. Première des choses, il faut une zone à la place, parce que, si on a un cas où on a même un bout de la moindre, il y a un balabala.
Parce que banana na bazoyi bazaki bakuluna poani ba musa ba kikuluna ba zoa agresse ba tout ko botola ba telephone ko to zo mbongo poani ba ina nzala alors na yepe na côté mbule za kana j'ai eu encadré bana ya bakuluna kalamu et puis réussite totale tu as été là tu sais ce qu'on avait fait pour ces gens là voilà mais malheureusement on n'avait pas le soutien du gouvernement congolais c'est ce qui faisait mal parce qu'avec mes propres moyens j'ai pu faire on a salaki mais il y avait pas de soutien il y a gouvernement congolais et souveraineté c'est ça parce que est-ce que Lolo tu regrettes le fait que le gouvernement congolais est l'anda qui yoté est-ce que tu avais mieux à faire que au salaki déjà mieux à proposer non gouvernement congolais il en a été peut-être tant mususu mort gay aux uns et blonds non au lingi n'a pas que demandé pour dire les termes qu'il faut dans ma tête je croyais on a dans ça là gouvernement on a dans là ah t'as là j'ai 24 ça va soutenir là mais qu'on est qui naïve 20 ans et tu n'as ça il demande dans ça là y a monté dans ça que n'a qui m'a maillé là qui bon moto on a dans ça gouvernement ça va monter donc on est dans la montée gouvernement ça des structures là il faut ça moi monter là on a dans ça qui n'a qui maillé là bon moto t'as un sou premier ministre alors c'est pour cela moi déception avec mon cassien moi déception avec cassien mais tout comment tu as ça m'a boué botika ça l'envoyer mais bon heureusement ça m'a zali parce que c'était fort c'était trop fort na kauka ma garçon ba o baza ko ma ba tout ba ko meko yo kayo ba o baza ko zoki ça pour bon on tout est quand ba o ba ko meko yo kayo et tu as même instauré système yaro futa bango au delà au sala ba microcrédit pour na ba maman au comme pe ko futa ba ta kuluna mais ko futa bango ko c'est rien na zo ba engagement avant ma bis ya na Congo bo mona wana muta me ba bis na Congo na nga na me ba bis na zo 10 bis amine le rola ka bis na bango za wana na mon na kitasa au PCP Moussala na PCP Moussala banzele bo meninga ba bis mais bizarrement tant que ba bis sikeye ba kaboli ba to ba bosani G24 que G24 mutaya na ba bis li boso kingasa ni ville za ki G24 ba bosana biso mais bolimuka to na ngondi on continue to continuer les loges ya moni tant le binango zere ki rekiro moni peut-être des déceptions ya muto asali 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 za mona oh mais soutien za tenengini c'est ça qui m'avait beaucoup plus découragé je me suis dit naza quand même la bana Nicolas Bolingo, amour, esprit de partage, G24. Donc, je suis dit non, je suis dit que non, je suis dit que non, je en cherchant à mieux faire et à satisfaire ma jeune, au suis dit que non, je suis dit que non, je suis dit tu t'es permis même de déplacer ma patronne à eux, il y a McDonald's. Ok, na bongo tina Kinshasa pour na investir. C'est-à-dire que au-delà de Misala Obazwaki na G24 transport, tu t'es une fois de plus pensé à faire une folie. Il y a aussi la McDonald's RDC. Oui, on avait l'idée, on a l'idée tout ça la McDonald's na Kin. Parce que oui, bien en France, entreprise Oyo et Pesa Moussala Ming en France numéro 1. Ils ont McDonald's, restauration rapide. Je suis en train de me dire que je McDonald's. Je suis en train de me dire que 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 je suis dit
Jean-Marie Lukulasi, il a fait 20 ans chez McDonald's. Napemene na namutuni asalini. Mais nous avons formé des gens qui sont directeurs de chez McDonald's, qui dirigent de McDonald's. Nous avons des managers de chez McDonald's, des Congolais. Nous avons des swings. C'est-à-dire, McDo et Télémi. Nous avons franchisé mon parlementier. Nous avons trois McDonald's. À combien d'euros 19, un millionnaire. Mais c'est des Congolais. Nous sommes accompagnés. Nous sommes accompagnés. Michel Parmentier, aujourd'hui, c'est un multimillionnaire. C'est-à-dire, sans bisous, il y a rose à la thé. Et à raconter. Il y a un peu de temps, ça t'a accompagné. Mais nous, nous avons idée, oh, yo, Kenari, bon. Maintenant, nous avons l'expertise. Nous avons les gens qui sont bien formés, les gens qui forment. Bah, on a pas tous des Congolais. Où on a la forma? Où on a la pesa moussala? Ils sont là. J'ai Dixon qui est directeur de McDonald's il y a à Paris. J'ai Pichu Echele, j'ai Alain, j'ai Doué. C'est-à-dire, c'est des Congolais qui sont directeurs numéro 1 à McDonald's ici, que moi j'ai formé. Pourquoi pas tenter cette aventure chez nous? Sauf à m'aider, bah, oui, bah, dit que, bah, ma ligne McDonald's, mais surtout, gros, ça là. Bon, on a McDonald's. J'aime d'eau, Jean-Marie Donald. Bon, on a sali McDonald, on a sali Jean-Marie Donald. Parce que nous avons tout, nous avons l'expertise, nous avons des gens. Un homme comme Dixon Mobimba, très expérimenté, bientôt passer superviseur chez McDonald's. Ce mec qui forme et qui va former des gens. Mais pourquoi continuer de former des bateaux baling, on va pas l'habitude. On va former maintenant. C'est-à-dire, pour Paul, au moins, on a Mambo et Napo de Yopo et Skonakin. C'est-à-dire, ce qu'on a, ce qu'on a même Nele. Bamouni logo soyez nakin tant on suba Congolais bah on s'amuse à les bérer pour moi on chômage si quoi yo tout quitta nakin chance avec bah il y a donc on était en minute pour moi n'importe quoi yebika non 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 dis bien le moyen humain aux anango ce qui est déjà important pour nos moteurs dans notre projet, c'est à dire que tu as cité le nom de gens où il va bénéficier d'une formation à McDonald's où il va à peu près ils sont en train non non Popol, je t'explique ces gens là les gens que moi j'ai formés que j'ai encadrés qui sont avec moi jusqu'à aujourd'hui, ces gens-là continuent de former des gens chez McDonald's à en France. Qui sont également prêts à quitter Kinshasa, Nayo. Non, maintenant nous avons eu l'idée. Au Congo, chômage est à court. On a au moins 80% de chômage. Pourquoi pas? Solution aux Français, Zoua. Pour chômage et quitter, c'est restauration rapide. Si tu as ton expertise, on a tout. Et l'un de tous, c'est la carte combo. T'es un combo, c'est bimite. Jean-Marie Donald. On a rien. Je m'arrête. Na groupe nanga bazaba directeur, c'est-à-dire c'est des directeurs chez McDonald's. Au groupe tour que tu as la bango ne va diriger batou. C'est-à-dire toki écoute dans bango après. C'est-à-dire nous dit ça OK. Et le mot est zangibiso. Toko baga ki matériel hein. Ba machine oyo. Est-ce que McDonald's il y a Jean-Marie de place aux zone qui ta Kinshasa. Et ko ça là na régime alimentaire voilà terme dans le ya Congo. To aide mon groupe dans la porte faut comme sou faut moi pour manger ou ta porte toi moi. Pas Paul. Tu dis ça yo hein. Bamindelo basala McDonald's awa bilo yuta ko yuta ba biso to nango biso galo we ozanga biso za materiel OK ha ba machine melo nyo sa olia ngombe mafuta bilo kona nyo so même na ba na système ya ba nini ya ba McFlurry ba nini ba glace ya kitoko kona me nyo za nakin we bi vero mo Alaska za nakin. Eh, parce que là, Alaska, c'est bon. On comprend Alaska de sa manière. Il est où ta pote? Jean-Marie, qu'est-ce que tu comptes faire? Je vais tourner. Je vais. En fait, au lendemain, on est venu parce que déjà, le G24, les gens t'ont pas. Non. G24 est. G24 est. Et tourne sur la stade. ONG, mon côté, dans le Congo, à côté de l'Inga, à tourne sur la stade. D'ailleurs, le 15 avril, tu as un stade en Banzango. Il y a déjà plein. Tout le reste est au Tchabat, le 15 avril. Anniversaire à G24, dans Mbanzangon.
c'est-à-dire pour battre les bandits ma bakoronga si comme ma grand restauration rapide oh si comme France c'est ni manga moni France c'est ni manga ba mende ba ya ba ye bolo ba biso to comprendre ma ndima to comme ça battre ba millionnaire si comme tango biso si ko to mema nous allons tout lutter contre le chômage mais tout ça l'étude avec mes quatre associés j'ai quatre associés la petit bango 10% 10% à 60% Dixon Mubimba qui est directeur superviseur il a 10% puis tu es Chélé, directeur 10% Doé 10% Alain Tseka 10% c'est la petit les quatre directeurs au bas en la capacité l'expertise à chez McDonald's puis moi-même tous associés 5 personnes Doé qui t'en a qui mais nous allons voir qui peut Doé qui t'en a qui tout le monde ministère il y a emploi. Hein, on va voir Willy, qui est le ministre. Il y a emploi. Son Excellence Willy. Michaki, si c'est Michi. Mikiashi, si c'est Mikiashi. Makiashi, voilà les noms. Pendant que je parle de temps, je vais vous dire. J'ai 24. Willy Makiashi, Excellence, tout le monde a eu tant que ministre emploi. Tout le monde a eu tant que ministre emploi. Tout le monde a Germain Kambinga, tant que ministre de l'Industrie, il faut créer des emplois. Tout le monde a bateau, faut protéger l'eau dans le biseau. Tout le ministère a la protection. Et l'eau est ici, comme on dit, Jean-Marie Donalds. Restauration rapide. Logo. Logo dans le biseau, on a ça dans le monde. N'est-ce pas, Kiti? Tout ceci. Et surtout, c'est comme on a bango. Tout le monde a chef de l'État. Tout le monde a le président Joseph Kabila, chef d'État, tout le monde y est, tout ici, qui est dans le projet Yangoyo, expertise Yangoyo, tout le chef de l'État a soutenu l'action pour lutter contre le chômage. Tout le président Joseph Kabila, tout le monde lutte contre le chômage, tu as l'expertise Yangoyo, tu as le projet Yangoyo, parce que nous sommes sur le poteau. Tu as le projet Yangoyo. Et là où il y a un banque, il y a une banque qui négocie dans la banque. Le financement. Le financement. Mais le premier financement, c'est au monde, autorité. Numéro un, pays tout le monde. Et je lance maintenant, opposant Nyon surtout, où il y a capable de soutenir le bison et le logo pour lutter contre le chômage. Le chômage, il y a pouvoir, la majorité, l'opposition, il y a tout le monde. Et Nyon sont capables de soutenir l'action. Pour le bison, il y a un. Mais le côté de lutter contre le chômage, il y a un nion surtout. L'intérêt général. Intérêt général, il y a un nion surtout. Azali, mais on va voir le chef d'État, on va voir tout le monde. On y a un nion surtout. Au-delà d'homme d'affaires, Jean-Marie, parce que nous sommes arrivés à la fin, il y a quand même monde d'ailleurs par rapport à la réalité politique. Ah, d'accord. Tu continues la politique. Kinshasa, oui, mais parce qu'il y a un nion. Ah, ouais. Il y a quand même une réalité. Politique na Kinshasa lelo comme ils ont le bela négociation lelo d'abord non il y a le vrai dialogue je pense négociation et dialogue en fait n'engana qui n'ont pas été na élection ou pas élection en fait il y a trois expressions en boulouba on a d'abord élection ou pas élection on a négociation on a dialogue Jean-Marie élection ou pas élection 2016 position des arabes. Ah, ok. C'est-à-dire, Busso G24, hein? Petit peuple, bata souffrance. Nous avons fait ça, nous avons fait ça. Petit peuple a souffrir. Nazo ga mingi bato ba auto sala alternance. Tu comme maman alternance. Mais alternance c'est à moko. Ba riche ba kené ba pauvre ba côté. Nazo comprend alternance on a pas ça. Tu sais que c'est difficile là comme auto ça. Té alternance c'est à moko. Alternance c'est à moko même malité. Alternance c'est à moko, c'est-à-dire toute personne qui a eu à gérer la chose publique. De 1960 à aujourd'hui, c'est l'échec total bato ba qui bato souffrir. C'est-à-dire moto on a participé le wana à pé manan, OK? Tout mégana bato sika. Jean-Marie Batoubazo Sangana. Batoubaki va Sangani. Bale Bosang. Batoumbi Baki. Bah Moïse Basali Oyabango. Baki va Sangani. Yun Mouya ou Longola. Nabato Baki Sangana à gauche. Nabato Baki Sangana à droite. Sans pour autant plus en avis. Pour le jour, il m'a dit que la gauche est à la paix perdue.
Et si vous remarquez, on dit gauche, droite, il y a PPRD. Qui te dit que c'est Magambo? Il y a un avis. Pour l'engagement, 98% de nos policiers, ce n'est que la majorité présidentielle. Système à Kamé. Dans le bien, je te parle. Pour moi, Jean-Marie Lekoulassi, les opposants, les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, des partis politiques, ce n'est que la majorité présidentielle, bah, on s'en regarde un système à caméléon. Et ça n'est pas bien de lobby majorité politique de ça à caméléon. Mais Jean-Marie Lekoulassi, c'est ça. C'est ça qui est opposant. Qu'est-ce qui se passe au Congo aujourd'hui? Bah, on va aller à Yéwa, bah, on va aller à Kéwa, bah, Kéwa, bah, Kéwa. Ça dit, on comprend les membres de la Dieu. C'est-à-dire, membres de la nation, on a aucun nous expliquer peuple. Parce que la position anglaise est claire. Je suis avec la population et je resterai avec la population. Ça, c'est toi qui le dis. J'ai dit, je suis avec la population, je resterai avec la population. Ma position sera claire. Je dis, ok, ce qui se passe aujourd'hui au Congo, il faut que nous allions. Bon, ma pauvre compagne, il y a des mois. Tu caches un message. Non, il y a des mois. Je suis clair avec toi. Tu sais pas. Message, moi, ils ont la carte dans le bout. J'ai 7. Il y a des majorités présidentielles, non? Laisse-moi te dire une chose. Quand je dis PPRD est en train de faire ses actions, il faut comprendre. PPRD, aujourd'hui, le leader incontestable au Congo, c'est PPRD. C'est PPRD. Bah, on va tourner grave, PPRD, PPRD. PPRD est un centre de formation à danger. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut écouter la population maintenant. Il faut écouter Jean-Marie Lekoulassi maintenant. Je vais emmener campagne Moko campagne où on a mené la campagne à déstabilisation. Il y a des faux politiciens. Il y a quand on mène une campagne pour déstabiliser toute personne au hasard pour ça, pour sa population, je vais le déstabiliser. Mais c'est la même chose que le problème. Bah déstabiliser un gars. Il faut déstabiliser tout le monde. Il faut déstabiliser la population. On a déstabilisé. Je vais déstabiliser ça. Cette fois-ci, si je suis en train de me battre, je vais déstabiliser. Je vais déstabiliser. Je vais déstabiliser tout le monde. Un mot parce que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Aujourd'hui, je remercie l'équipe pour créer un emploi en Congo. Nous demandons au gouvernement de nous suivre. Pour pouvoir soutenir Bissot, le chef de l'État, nous demandons à toute personne qui a la bonne volonté de nous suivre. Donc, ça, l'emploi, ce qui est important d'abord, parlons des emplois pour la jeune, pour encadrer la jeune. Et j'informe la population, aujourd'hui, je vais rentrer à Kinshasa pour encadrer la jeunesse. Le rendez-vous est maintenu pour le 15. Le 15, tout dans le stade et à Mazangungu. Pour une fois de plus, parce que Kenda a déjà. Trois fois, besoin de chaos. Parti politique, c'est Kim. Besoin de chaos. On comprend que G24, on comprend que G24, on comprend que ONG est parti politique Kaoba Kimi. Rendez-vous les 15. Au moins les 15. Message n'a pas tenu sur la Message Boya, toujours créé. Premier emploi, on a toujours créé, encadrement de jeunes. On va encadrer 200 jeunes à Mazangungu. Ça sera nos salariés pour s'occuper de la propriété de la ville à Mazangungu. Première action à G24, pour tout opposant à Mazangungu. Après, on va commencer à Kinshasa. Nous allons bien pour la ville. Merci Jean-Marie Moukoulassi. C'était là l'acteur politique et homme d'affaires. Un mot, quand même, n'a pas tout le monde en moto. Les jeunes, merci à mon grand frère, merci à toi, Excellence Denis Kambay, et je salue aussi le colonel Tshisekedi. Merci à vous tous. Donc, toujours espoir, on continue, on va se retrouver prochainement pour un nouveau numéro de